C'est comme ça. Oh. oh, je comprends. Soyez les bienvenus euh, chez un fédéraliste d'ici, d'ailleurs. Nous nous excusons pour euh, ce retard de 20 minutes. Nous avions prévu débuter à 14h, à, 14 à 13h, bon 14h de, de, de la diaspora, 13h de la Côte d'Ivoire. Mais je vous avoue que j'avais voulu annuler, annuler, euh, j'avais voulu annuler cela parce que j'ai reçu une mauvaise nouvelle. J'ai reçu une mauvaise nouvelle. Je, je me dois d'être fort. Je me dois d'être fort, j'ai reçu une mauvaise nouvelle dans cette dans ce moment difficile. <laughs> c'est pas facile. J'ai reçu une mauvaise nouvelle et c'est insupportable. C'est insupportable <coughs> en ce moment où nous nous devions d'être beaucoup plus présents sur la scène au moment où j'appelle toujours notre génération à beaucoup plus de conscience dans dans la lutte, dans le combat à prendre ce combat qui est pour la souveraineté de notre pays, ce combat très important, et c'est en ce moment précis que je reçois une nouvelle très foudroyante qui me brise le moral, qui me brise le moral, qui, est, qui vient de m'être à annoncé à peine que je devais démarrer la, notre entretien. Notre entretien sur la question préoccupante de la sortie de notre, de notre camarade Kemi Seba. Alors, c'est ce qui nous réunit ce soir. Je voudrais, au nom de, au nom de notre start-up à politique dénommée Départ, digne et puniens, le pays nous appelle, c'est la signification, digne et puniens, le pays nous appelle. Nous voulons nous prononcer sur euh, ça. Et j'aimerais réellement vous dire que je ne serai pas dans l'inspiration parce que euh, j'ai perdu un camarade. J'ai perdu un camarade de lutte. Nous avons perdu, parce que je ne veux pas personnaliser, nous avons perdu un camarade de lutte. J'étais déjà engagé pour le direct, mais je pense que ce camarade qui m'a appelé pour me donner l'information, il est aussi très proche de ce, de ce camarade décédé. Et donc je prends ça déjà au sérieux. Je ne dispute pas cette information. Même si je refuse, je refuse le fait du contenu de l'information qui est le décès d'un de, de nos proches. Mais je me sens, je me sens obligé de, de respecter sa mémoire. Je respecte la mémoire du camarade Gadji pour ceux qui l'ont déjà connu. Eh bien, je vais vite fait finir en 30 minutes sur, sur cet, euh, cet entretien et puis appeler au niveau d'Abidjan, là où il est installé, à Koumassi. Je vais appeler certains camarades pour qu'on puisse me donner réellement euh, les causes cause de ce décès. C'est une grande perte. Depuis deux jours, je suis en train de perdre des personnalités. J'ai perdu déjà notre... Notre cadre au niveau des Daloa, le professeur Bazézé, qui est l'un des, des meilleurs, pour ne pas dire l'unique, neurologue que notre pays a, qui est décédé il y a de cela trois jours. Et aujourd'hui, euh, nous recevons l'information du décès du camarade Gadji. Alors, je voudrais déjà m'incliner devant sa mémoire, m'incliner devant la mémoire du combattant qui. J'avoue, il n'est pas tombé sous les balles assassines des miliciens, des terroristes euh, qui en ce moment sévissent en Côte d'Ivoire. Je l'espère bien, mais je pense que c'est une mort. Et s'il est réellement décédé, s'il est réellement décédé, c'est une perte. Je vous le dis, camarades, c'est une perte. Parce que c'est une valeur une valeur dessus qui vient de nous quitter. Et je me sens déjà très lourd dans l'intervention que je vais avoir. Mais je vous en prie, pour vous qui êtes déjà connectés, euh, envoyez des cœurs pour que ça puisse me, me remonter le moral. Parce que celui dont il s'agit, qui est tombé, il est il est dix fois meilleur que Ramsès. Il est dix fois meilleur que moi. C'est une valeur. C'est un leader qui est tombé. Et je vous en prie, si vous pouvez m'envoyer des cœurs, si vous pouvez envoyer des cœurs d'amour à ce camarade qui est tombé, pas pour moi. Envoyer des cœurs d'amour à ce camarade euh, Gadji qui est tombé les armes à la main pour des raisons que j'ignore encore. Je vais revenir là-dessus et je garde euh, ce message d'une minute là pour lui et je vais, je, vais, je vais poursuivre mon allocution, je vais poursuivre euh, mon intervention pour réellement encore saluer la mémoire de tous ceux qui sont tombés, tous ces combattants qui sont tombés pour la démocratie, pour le respect des règles, des lois que nous nous sommes donnés nous-mêmes dans notre propre pays en tant qu'intellectuels. Nous, nous, euh, nous voulons saluer la mémoire de tous ceux-là qui sont tombés parce qu'ils refusent, ils refusent qu'on puisse aller euh, euh, pour des raisons qui sont personnelles à votre famille politique, vous puissiez, vous, vous puissiez empiéter les règles de loi fondamentales que nous sommes donnés et c'est pourquoi je me souviens en ce moment de ce camarade qui a été décapité de ce, tous ceux qui ont été démembrés tous ceux qui sont laissés aujourd'hui euh, ils auront des séquelles à vie qui seront handicapés parce que nous avons vu des vidéos où ces miliciens ces terroristes venus d'ailleurs qui ne sont pas de la Côte d'Ivoire qui sont, qui ne sont que des des mercenaires loués par le régime je les ai vus couper les tendons des jambes des, des Ivoiriens qui se trouvaient dans la rue. Je les ai vus en, euh, 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 démembrer ces Ivoiriens-là et j'ai été peiné. Et je suis toujours peiné et je voudrais encore une fois de plus euh, réserver en leur mémoire ce passage que j'ai euh, devant votre écran, devant, votre, devant vos smartphones. Et j'en appelle toujours la diaspora. J'en appelle toujours la diaspora à, à un soutien financier. Parce que vous n'êtes pas sur le terrain. Vous n'êtes pas sur le terrain. Vous arrivez, certes, à galvaniser les uns les autres, à, à refuser le troisième mandat anticonstitutionnel d'Alassane Draman Ouattara. Mais il y a lieu aussi que nous puissions accompagner ceux qui sont aujourd'hui à l'hôpital. J'ai vu, on m'a envoyé des photos d'un de, village de chez moi ici, à Daloa, où euh, le frère Nyaure était en train d'être égorgé. Et heureusement, par la grâce de Dieu, ils n'ont pas pu atteindre hein, les, les nerfs qu'il fallait pour que ce camarade quitte ce monde. Et aujourd'hui, il est sorti de l'hôpital. On a pas mal de corps hein, calcinés qu'il faut qu'il faut inhumer. Et j'en appelle réellement, hein, appelle réellement à, à, à un cœur, à une contribution pour que cette diaspora là qui n'est pas sur le terrain, vous pensez, nous pensions à ces familles là à ces personnes qui sont aujourd'hui à l'hôpital. Alors, nous sommes toujours dans cette dynamique, hein. nous en tant que euh, du fédéralisme, nous qui appelons réellement euh, la côte d'Ivoire souveraine à opter hein, de, radicalement pour euh, un État fédéral, à sortir du système présidentiel qui n'est que le système néocolonialiste, qui n'est qu'un système à donner aux ivoiriens par les colons qui en réalité ne nous ont pas encore donné l'indépendance parce que nous, l'indépendance sort trois. L'indépendance plutôt s'arrache. L'indépendance sort trois pas. Mais ils nous ont octroyé la décolonisation en nous laissant très loin de l'indépendance. J'ai vu hier, j'ai vu avant-hier, pendant que je pleurais, mon professeur Bazizé, j'ai vu, vu des postes de, 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 de certains camarades qui, qui se plaignaient du fait que le président de la France, Macron, aurait écrit. Hein, un communiqué de félicitations à son, ami, hein, à son ami, à son père, à son grand-père, à la Santama Ouattara, pour, euh, pour, pour avoir brigandé, pour avoir piétiné la constitution ivoirienne. Il, il a félicité et j'ai vu hein, des, des opposants qui s'étaient étonnés, qui s'étaient braqués contre cette décision de Macron sous prétexte que euh, ce monsieur euh, ne méritait pas de recevoir les félicitations de, 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 de... les félicitations de la France, les félicitations de tous les États. Et moi, je me suis étonné de, me, de, de voir encore des Ivoiriens, des opposants, attendre le soutien hein, du message de la France. Moi, je n'attends pas. Et c'est le contraire qui m'aurait étonné. C'est ce que me disait hier mon secrétaire général, eh, Père Sonam, que sais-je. Il nous disait comme ça que... Le jour où vous voyez le journal Le Patriote parler de la fessie, parler du bien de notre syndicat, comprenez, ou bien en train d'écrire ici notre syndicat, comprenez qu'il y a un événement qui va se produire dans ces jours qui suivent, qui suivent à l'encontre de, ce, de, ce, de cette structure. Alors, moi j'ai vite fait, j'ai compris qu'il ne fallait pas attendre, il ne fallait pas attendre euh, quelque chose de, de la France. La France joue ses intérêts. La France joue aussi la carte de ses intérêts. Et il n'y a pas mieux qu'Alassane Draman Ouattara à préserver les intérêts de la France. C'est pourquoi ils l'ont préparé, c'est pourquoi ils l'ont cuisiné depuis Bellurette, pour qu'ils jouent, jouent leur rôle en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi ils se sont appuyés sur lui, pour, euh, pour briser la fibre, pour briser l'union et l'unité qu'il y avait en Côte d'Ivoire. Ils se sont réellement appuyés sur lui. Et je pense pour ma part que nous ne devons rien attendre. Nous ne devons rien attendre, hein? chers camarades de ma génération, nous ne devons rien attendre de la France, nous ne devons rien attendre de la communauté internationale, nous devons simplement nous organiser et puis remettre les pendules à l'heure. Alors, sur ce, nous revenons sur le sujet concernant euh, Kémy Seba. Nous avons lu, nous avons écouté hier le camarade panafricaniste, comme il se nomme, Kémy Seba, et nous pensons que il est... Il est voix, de notre devoir, nous de notre devoir de le saluer parce qu'il a fait un passage en Côte d'Ivoire, comme il, il, il nous a annoncé, il a, il a défini les régions où il était, le sens, le sens du combat pour lequel il était en Côte d'Ivoire, il nous en a parlé. Et la Côte d'Ivoire reste toujours la terre d'hospitalité. La Côte d'Ivoire reste la terre de des étrangers, la terre des nationaux, la terre des, des africains, la terre des européens. Nous ne refusons pas la Côte d'Ivoire à qui que ce soit. Et cela a été toujours la philosophie de, du, peuple, de, de la mosaïque, du peuple de la mosaïque du peuple, la mosaïque des ethnies euh, qui vit sur ce territoire. -là. Ce n'est pas une affaire de après la colonisation. Ce n'est pas une affaire qui, qui date de maintenant. La Côte d'Ivoire, les peuples ivoiriens, les Abrons, les Agnis, les Baoulés, les Abidji, tous ces grands peuples de plus de 60 euh, représentations ont été toujours un peuple hospitalier. Ce n'est pas aujourd'hui. Donc nous, nous ne pouvons que saluer l'acte, euh, le passage de Kémy Seba en Côte d'Ivoire. Alors, il nous a fait comprendre que il a donné son opinion sur la classe politique de la Côte d'Ivoire. Il a jugé l'opposition comme il ne fallait pas, il a trouvé que le régime, il n'a pas, pas jugé le régime, il a jugé Alassane Drama Ouattara, qui n'est qu'un pion de la France Afrique, mais il n'a pas jugé le régime, le régime aussi de Drama Ouattara, le gouvernement, qui, qui, qui depuis dix ans ne fait que appauvrir hein, ce, ce, ce peuple là. Mais il a il a il s'est seulement focalisé sur la personne de Monsieur Draman Ouattara et il a donné son opinion. Et donc, nous l'avons suivi, nous l'avons écouté. Et pour moi, sur la classe politique, il a jugé bon de ne pas donner un espoir, puisqu'à la fin, il a appelé la jeunesse à ne pas sortir pour cette classe politique. Il a appelé la jeunesse à ne pas répondre à l'appel de cette classe politique. Bon, mais la société ivoirienne, elle est gérée par la politique. Parce que la politique elle-même, dans sa définition, c'est la gestion de la cité, c'est la gestion de la société. C'est pourquoi aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a décidé d'être laïque pour ne pas que ce soit les chrétiens qui nous dirigent, pour ne pas que ce soit les musulmans qui nous dirigent, pour ne pas que ce soit les laïcs et de, on ça, les, les, les autres confessions qui nous dirigent. On a décidé que ce soit les politiques, ce soit les partis politiques et associations. Alors, si aujourd'hui Kémy Seba appelle. Euh, euh, la jeunesse ivoirienne à ne pas répondre à l'opposition ivoirienne, à ne pas répondre en même temps aussi qu'ils discréditent Alassane Draman Ouattara de par sa politique française. -africaine. Bon, moi je me demande à qui devons-nous répondre À qui À qui devons-nous donner la Côte d'Ivoire À qui Qui doit la diriger Si les opposants qui sont là ne peuvent pas diriger la Côte d'Ivoire, si Alassane Draman Ouattara ne peut pas diriger la Côte d'Ivoire, mais on donne la Côte d'Ivoire à qui À qui et c'est en cela que je vais rebondir sur le nœud gordien de de son intervention. Et je vais partir sur cette sur cette base originelle pour faire comprendre à notre frère Kemi séba qui a dit beaucoup d'autres choses, il a dit beaucoup d'autres choses euh, vraiment flagrantes et fracassantes et insultantes même de l'intelligentsia et de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Moi, je vais expliquer à Kemi Siba. Qui a parlé des frontières quand il a expliqué que euh, les colons sont arrivés, c'est du fait des colons que certains de nos, de nos parents, certains, euh, certains peuples ivoiriens, ont été dépatagés. Les colons n'ont pas tenu compte du fait qu'au euh, euh, nord de la Côte d'Ivoire, parce qu'il n'a même, même pas parlé de l'est de la Côte d'Ivoire, où aussi on a une frontière avec le Ghana, il n'a pas parlé de l'ouest chez nous, où nous on a une frontière avec le Libéria et la Guinée. Mais il s'est focalisé, il s'est focalisé comme dans, son, comme dans ses habitudes. Le problème de Kémy Séba, aujourd'hui, il traite tout le peuple des xénophobes, le peuple ivoirien des xénophobes. Je vais vous expliquer pourquoi je le dis. Parce que Kémy Séba, quand il dit que les frontières ivoiriennes ont été tracées et que les colons n'ont pas tenu compte, après 1882, le congrès, le Berlin s'est tenu en 1882 et 1884, et donc la rue coloniale a débuté en 1885, déjà 1884, d'autres ont débuté, mais et que c'est partant de là qu'ils ont départagé, en s'en tenant compte, en tenant compte des familiarités, en tenant compte des familiarités, ils ont divisé euh, l'Afrique en, en, en laissant certaines familles du Burkina en Côte d'Ivoire, mais je ne sais pas s'il y a certaines familles du de Burkina qui sont restées au Burkina aussi, hein, parce que là aussi, il n'en a pas parlé. Il a seulement signifié que certaines familles sont restées, certaines familles du Burkina sont restées en Côte d'Ivoire. Et déjà, on comprend le jeu dans lequel Kémy Séba est. Kémy Séba veut nous faire comprendre que le problème, le problème qu'a qu Alassane Ouattara, le problème qu'Alassane Ouattara a, a, a intronisé en Côte d'Ivoire, Kémy Seba est en réalité un pro-Alassane Ouattara. Parce que, pourquoi je le dis quand a développait, il n'a pas développé le fait que à l'est de la Côte d'Ivoire, il y a aussi des Abrons qui ont de la famille au Ghana. Il y a aussi des agnis, Dani Bilekoro qui ont de la famille au Ghana. Parce que ceux-là aussi vivaient en parfaite harmonie lorsque les colons sont venus les départager. Il ne dit pas aussi que chez nous à l'ouest, entre les Yakuba, les Guérés, de Guiglo, de tout le -Ple, ils ont de la famille aussi qui vivaient ensemble au Libéria, parce qu'on tous les guerriers au Libéria. J'aurais même appris qu'il y a aussi des bêtés de, 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 de ma langue qui se retrouvent au Libéria. Donc, ce qui veut dire que nous tous, on a été départagés. Les colons sont arrivés dans leur intérêt. Dans leur intérêt. Mais quand ils, ils ont divisé les pays, les pas les pays même, ils ont divisé euh, les peuples africains dans leur intérêt. Ok. Kemisiba. C'est de cette même façon, ça, même que ça s'est produit en Côte d'Ivoire, c'est comme ça aussi, entre le Bénin et le Togo, parce que tu ne le dis pas aussi, entre le Bénin et le Togo, la, comment on appelle ça, les, les Français ont aussi séparé. C'est pourquoi on trouve la langue béninoise aussi au Togo, on trouve la même langue béninoise au, comment on appelle ça, au Bénin. Entre le, entre le Togo ou le Bénin, et le Ghana, entre le Togo et le Ghana, c'est aussi pareil. Ils ont été séparés, tu vas trouver certaines langues. Au Ghana, qu'il y a au Togo, si je ne me trompe, je ne maîtrise pas trop leur histoire, mais c'est une réalité. Les gens se sont ainsi, ils se sont ainsi euh, orchestrés. Je veux parler des colons. Ils ont agi ainsi. Mais avant que les colons arrivent, que avant que les colons arrivent, il n'y avait-il pas de frontières entre ces peuples Parce que avant que les colons arrivent. On nous dit que la côte d'Ivoire, la terre de la côte d'Ivoire, les 322 462 km, étaient déjà occupées par, par, par des humains. On a retrouvé des ossements qui datent de 10 000 ans avant Jésus-Christ, 1500 ans avant Jésus-Christ. Parce qu'on quand même, moins devant une date, ça veut dire que c'est avant Jésus-Christ. Et il est important pour ma génération de connaître notre histoire. Si nous ne connaissons pas notre histoire, on va se retrouver à partager les anéries. De certaines personnes qui en réalité ont un problème en Côte d'Ivoire. Ils ont un intérêt qu'ils veulent chercher, en même temps qu'ils cherchent l'intérêt économique, ils veulent aussi s'imposer sur l'intérêt politique. Je viens. Alors, je retourne à l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je ne me permets pas parce que de mon âge, je n'ai pas vécu. Mais je fais aussi des recherches. Vous pouvez aller sur Google, vous allez faire des recherches sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire existait déjà. Et à cause de l'humidité, les premiers peuples qui sont venus par la mer, quand vous regardez les avicams, les gens des gras on nous dit que c'était les, les tout premiers arrivés là. Mais comme c'était une zone humide, les orsements n'ont pas duré. Ne peut pas n'ont pas pu euh, survivre jusqu'à aujourd'hui. Mais à partir du. du, du, du de, de, mais quand on regarde le, le peu d'orsements qu'on a trouvé, il paraît que ça date de 10 000 ans avant Jésus-Christ, 1500 ans et, 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 et 15 000 ans avant Jésus-Christ. Et. Bien avant même l'arrivée des premiers Européens sur le sol ivoirien, ce n'étaient pas les Français, les tout premiers étaient les Portugais. Mais quand ils sont arrivés, il y avait déjà un peuple constitué. Il y avait, il y avait, un, il y avait déjà une mosaïque de peuples constitués. Ce peuple-là ne parlait pas français, ce peuple-là ne parlait pas espagnol. Mais ce peuple parlait le Sénoufo, ce peuple parlait l'Agni, ce peuple parlait euh, le gourou. ce peuple parlait le Yakuba. Je peux parler les 60, plus de, il y avait plus de 60 ethnies, parce que il faut dire qu'il y a eu des conquêtes aussi en Côte d'Ivoire. Ça dit dans pour que aujourd'hui on ait cette euh, euh, cette stabilité qu'on avait avant l'arrivée des colons, il y a eu des combats, il y a eu des combats d'occupation. Il y a des peuples qui sont arrivés d'abord qui sont rentrés par la Côte d'Ivoire, mais comme ils n'avaient pas de force pour, pour pour rester là, on les a combattus. Ils sont allés vers 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 le nord là-bas. C'est pourquoi vous allez trouver, vers Odené, vous allez trouver certaines manières de parler le gourou ou bien le Dida là-bas. Mais parce que les gens ont été combattus, ils sont partis. Les plus forts sont restés. Il y a eu des combats d'occupation. Ok, après ce combat d'occupation, ceux qui sont restés, ceux qui se sont, sont entendus, qui ont fait déjà. C'est pourquoi on dit la première clause, la première loi sur le droit de l'homme est née en Afrique. La première loi sur droit de l'homme n'est pas née en Europe. Ce n'est pas la loi de 1789. Mais la loi, elle est née depuis le 14e, le 13e siècle en Afrique. Parce que les gens comprenaient que l'importance, le, le, c'était de vivre ensemble et de préserver la vie humaine. Donc c'est comme ça que nos peuples ont décidé de vivre ensemble. Le Bété avait déjà ses réalités. avait sa culture. Le Bété avait sa culture. Le, le, la culture BT qui n'est pas pareil avec la culture Baoulé. Parce que quand vous regardez le baoulé, il vit en royaume. L'agni vit en royaume. Le bété, il vit en chefferie. Le guéré, vit en chefferie. Le gourou, ainsi de suite. Donc, quand vous regardez la diversité culturelle qui est en Côte d'Ivoire, mais cela n'a pas été créé par les colons, Cela n'a pas été créé par les colons. Cela a été déjà créé. Ce sont des frontières naturelles. Qu'est-ce que j'appelle frontières naturelles La langue est une frontière naturelle. La langue est une frontière naturelle. La vous prenez la Bible, vous allez vous rendre compte que je ne sais pas à quelle partie de la Bible, mais prenez la, les, la partie de la tour de Babel. Mais c'est là que Dieu a créé les langues. C'est là que Dieu nous a permis de parler en différentes langues. Parce qu'il s'est rendu compte qu'on était en train de s'entendre pour le rejoindre. Donc il faut comprendre que les langues existent depuis là. Et donc les langues sont déjà des frontières naturelles, Kémi Ce ne sont pas les frontières que les, 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 les colons sont venus créer, mais il y a des frontières naturelles. Aujourd'hui, entre le Dida, entre le Dida et la il y a une frontière naturelle. C'est la frontière de la langue. C'est la frontière culturelle. C'est la frontière de l'histoire. Le Dida a sa culture. Bien qu'ils soient en alliance avec la ils n'ont pas la même culture. Or, ils sont tous deux des Ivoiriens. Ils sont tous deux des Ivoiriens. Donc, dans, 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 dans l'atmosphère, géographique de la Côte d'Ivoire, il y avait déjà plusieurs frontières. Donc si on prend, si on prend le tas des 60 étunis, des il y a plus de 60 frontières en Côte d'Ivoire. Parce que quand moi je me lève et que j'arrive à Boaquet, je, je suis à l'étranger. J'ai une frontière. S'il n'y avait pas, par exemple, le français, j'allais parler quoi je me, terais, je me serais exprimé en bété. Et quand je m'exprime en bété, le baoulé qui est en face de moi, il ne me comprend pas. Il ne me comprend pas. Donc sur quoi on va s'accorder Sur quoi on va s'accorder Et c'est pourquoi déjà, c'est une frontière, c'est une barrière, c'est un obstacle, c'est ça qu'on appelle frontière. C'est ça qu'on appelle frontière. Et donc la Côte d'Ivoire avait déjà ses multiples frontières naturelles entre ses peuples. Et ces peuples existaient déjà. Donc le colon qui arrive, après le partage de l'Afrique au Congrès de Berlin, ils ne tiennent pas compte, effectivement, parce qu'ils n'ont pas fait des recherches historiques de bien avant. Ils sont venus, eux, ils ont vu les intérêts. Ils ont vu les, les Ivoires, qu'il y avait encore d'ivoire, qu'il fallait développer. Et donc, ils disent, bon, cette partie-là, on donne à la France. Et la France qui vend, c'est encore que c'est plus large et c'est de, 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 de les démanteler. Ça, c'est la stratégie machiavéliste. Il faut les démanteler, il faut les réduire pour pouvoir mieux les gouverner. Effectivement, la France a fait cela. Et là-dedans, il y a, comme tu le dis, il y a des Malékés du Mali qui se retrouvent en Côte d'Ivoire. Il y a des Malékés de la Côte d'Ivoire qui se retrouvent au Mali. Vice-versa, au Burkina, pareil. Il y a des Bétés, les Guérés, qui sont au Libéria, qui sont restés en Côte d'Ivoire, qui sont au Libéria. Il, il, il y a une ethnie de Mans qui se retrouve en Guinée, qui y a aussi en Côte d'Ivoire. Quand tu vas à l'Est, pareil, il y a des Agnies, il y a la culture des. Des, 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 des gens du Ghana qu'on a en Côte d'Ivoire. Ok. Mais c'est fait. Le fait, il est là. Le fait, là, il est là. Nos parents se sont battus contre ça. Joko chez moi, à Dalwa, il s'est battu contre ça. Mais les Blancs ont eu le déçu. Les Français ont eu le déçu. Il y a le pharma d'Abangou et de Bandoukou qui s'est battu pour ça. Il y a le guerrier, le, le chef, le patriarche au niveau. Du nord qui s'est battu, mais c'est resté ainsi parce qu'ils étaient plus forts. Donc, qu'est-ce qu'on fait, Kémi Siba Alors, ces frontières existantes font qu'aujourd'hui, celui qui est au sud du Burkina, on l'appelle Côte d'Ivoire. Celui qui est au nord de la Côte d'Ivoire, celui qui se trouve dans le, en dehors du nord de la Côte d'Ivoire, on l'appelle Burkina, on l'appelle Mali, on l'appelle Libéria, on l'appelle Guinée, on l'appelle Ghana. On ne peut pas s'en vouloir pour ça, Kémi. Le monde-là, il est fait ainsi. On ne peut pas vouloir pour ça. Est-ce qu'Abraham va en vouloir à Jacob parce que sous son temps, il, Dieu n'avait pas donné l'opportunité que euh, l'Israël soit créé en douze tribus à partir des enfants de Jacob? Pourquoi ce n'a pas été lui, Abraham? Abraham ne va pas se plaindre pour ça. Noé ne va pas se plaindre du fait que Abraham, bien que lui, il a sauvé l'humanité dans cette déluge-là, mais c'est Abraham que Dieu a donné le statut d'amitié. Est-ce qu'Abraham est le père de la foi? Et ce Noé va se plaindre pour ça. Mais chaque, chaque histoire a ses réalités et donc chacun doit profiter de ses réalités. Et dis donc, autant Jacob transforme l'Israël en douze tribus, mais il fallait Moïse pour déplacer ce peuple-là de l'Égypte, où ils étaient esclaves depuis pratiquement 1000 ans, pour les ramener à la terre promise. C'est un combat de continuité. Tu n'es pas chrétien, peut-être, tu n'es pas croyant, peut-être. Mais même si tu es scientifique, il faut te rendre compte que ce sont les réalités du terrain. Les colons sont venus, ils nous ont départagés. Ils nous ont donné des nationalités. Ils n'ont pas tenu compte, moi je le dis. Et moi je vais aller plus loin tout à l'heure pour te dire qu'ils ont encore fait pire pour lesquels on doit réellement s'organiser et puis prendre notre indépendance. Mais en le faisant, en le faisant, en le faisant, ils l'ont fait pour tout le monde. Peut-être pour ceux qui sont au centre, même ceux qui sont au centre, les baoulés. Aujourd'hui, ils vont au Ghana pour des funérailles. Les baoulés de Côte d'Ivoire vont au Ghana pour des funérailles. Des Ghanéens viennent en Côte d'Ivoire pour des funérailles. Alors, tu, tu, on, peut, on, on peut nous avoir séparés géographiquement, mais ils ne nous ont pas séparés. Ils ne nous ont pas séparés culturellement. Ils ne nous ont pas séparés culturellement. Quand je parle de culturellement, ça veut dire quoi Je veux dire que la culture à Caen. Des baoulés demeurent la culture à temps des gagner. leurs frères qui sont restés là-bas. Donc, la culture malinquée de nos frères Sénoufos qui se retrouvent au Burkina, la culture ne leur a pas été arrachée. Ne leur a pas été arrachée. Il y a des Sénoufos, ou bien il y a des gens du Nord, des Sénoufos, des Zidonéka, qui vont à des funérailles de l'autre côté parce qu'ils ont des frères là-bas. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont obligés d'avoir la même nationalité ils ont la même ethnie la nationalité là. ce n'est qu'une exploitation coloniale toi même tu l'as dit Kenny. la nationalité n'est qu'une exploitation coloniale mais c'est que, que la colonisation ne nous a pas arraché c'est notre identité c'est notre culture c'est notre histoire c'est notre langage quand je parle de langue, je parle de la langue linguistique je parle de nos ethnies qui sont des langues en réalité les colons ne nous ont pas arraché ça Kenny. Les colons nous ont seulement séparés géographiquement, mais ça ne change rien, Kémy Seba. La preuve en est, tu as ta famille au Bénin, mais toi tu vis à Strasbourg en France. Mais est-ce que pour autant tu ne te réclames pas de Béninois Tu es Béninois Tu es Béninois Effectivement. Donc je me dire que au niveau culturel, on ne nous a pas arraché ça, et c'est ce qui reste. C'est ce qui reste, la source de notre intelligence. Alors, de ces nouveaux vont au Burkina, pour ceux qui ont des parents, comme tu le dis de façon historique là-bas, ils vont faire des funérailles, ils vont faire des mariages, ils vont faire des festivités, ils vont même faire des sacrifices, ils vont faire ce qu'ils doivent faire. Pareil pour les Baoulés. Pareil pour les ani. Je connais c'était Jumani. Je ne sais pas s'il était ministre du feu Bagnou ou bien quoi, si je ne me trompe. Mais il a été roi après au Ghana. Je connais une de mes amies, ma, ma confidente, Gigi, soit saluée. Je la connais, elle est ivoirienne. Elle est ébriée et un côté de grand là-haut, mais elle a, ses, elle a son héritage au Ghana parce qu'elle a un pan de sa famille au Ghana. Originelle. Pas par naturalisation, originelle. Aujourd'hui, je te parle, elle a ses intérêts économiques au Ghana. Elle part au Ghana pour ses vacances. Mais ça n'exclut pas qu'elle reste ivoirienne. Ses, ses frères là-bas restent gagnés. C'est juste dans une, dans, dans, dans une politique de mondialisation. De globalisation. Mais ça ne nous exclut pas nos origines. Ça ne nous exclut pas nos, notre histoire. Quand je vais au Bénin, quand on parle des Daomiens, mais les Daomiens ont été, toujours existé quand le roi, l'Empire des Dahomiers existait. Mais il y avait Zoku Boli chez moi à Dalois. Il y avait la reine Poku en Côte d'Ivoire. Est-ce que les Daomiens et les Baoulés parlent le même langage avant même l'arrivée des Blancs Soyons concrets, soyons sérieux. Les Daomiens parlent Daomien. Les Sénoufos parlent Sénoufos. Mais on est tous noirs, non Pourquoi on ne parle pas le même langage Pourquoi on ne parle pas le même langage Pourquoi on n'a pas la même histoire Oh, on est tous noirs. Donc, le problème n'est pas là. Le problème est qu'il faut accepter ce qui a été déjà fait par les colons. Ça y est, devant nous. Aujourd'hui, tu t'exprimes en français pour que nous t'entendions. Sinon, tu n'aurais pu t'exprimer en Daomien. Logiquement, tu dois t'exprimer en Daomien. Est-ce qu'aujourd'hui, nos frères noirs qui sont aux États-Unis vont nous en vouloir de les avoir laissés aller résider aux États-Unis. Parce que pour la petite histoire, l'esclavage n'a pas commencé par les colons. L'esclavage a commencé par les Arabes. Ce sont les Arabes qui sont venus nous montrer ça en Afrique. Et les Africains faisaient déjà de l'esclavage vis-à-vis de leurs proches. L'Africain vendait son frère africain déjà. Et quand les colons sont arrivés, quand les Portugais sont arrivés, ils ont trouvé que c'était un business qu'il fallait récupérer. Et c'est comme ça, ils ont pris aussi nos gars, ils les ont envoyés en Espagne. D'Espagne, ils les ont envoyés. Et en Angleterre, Et l'Angleterre allait les déporter aux États-Unis. Donc, nos frères noirs, voulez-vous qu'ils nous en veulent Parce que leur histoire est l'origine, est, est ici en Afrique. Leur histoire, c'est ici en Afrique. Mais c'est déjà fait. C'est déjà fait. Ils sont obligés de vivre aux États-Unis parce qu'ils ne peuvent pas se rappeler de combien de siècles ils vont savoir, ils sont d'où en Afrique. Tu veux qu'ils partent en Sierra Leone Tu veux qu'ils reviennent, qu'ils partent au Libéria ou bien qu'ils reviennent, qu'ils partent au Bénin, ils ne savent pas où aller. C'est à nous de nous organiser pour voir, pour leur dire, bon, on va vous donner des territoires partout, mais nous ne le faisons pas. Donc, ils vivent chez eux tranquilles aux États-Unis, même s'ils sont les malvenus. Mais ils vivent chez eux. Donc, aujourd'hui, les colons nous ont départagés. Les colons ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Mais qu'est-ce qu'on retient de tout ça Ce qu'on retient, c'est qu'ils ne nous, nous ont pas débranchés culturellement. C'est pourquoi je salue nos frères Baoulé, nos frères Agni, nos frères Abron, qui vont encore au Ghana. Ou bien qui vont encore au Libéria ou au, au Burkina pour aller pour des festivités. Mais ils ont toujours les passeports parce que, que voulons-nous Voulons-nous aujourd'hui ratifier ratifier tout ce qui a été fait pour qu'on change Oui, on peut changer de nom, comme Sankara l'a fait avec, euh, avec le Burkina ou le détirement de, de la Haute-Volta. On peut faire autant, mais on ne pourra pas. Est-ce qu'on doit se retirer de l'ONU Est-ce qu'on doit se retirer en tant que on doit s'isoler, en tant que euh, retourner à nos sources pour dire bon qu'à partir de on n'est plus un État, on ne se reconnaît plus dans le principe d'un État, nous on va rester dans notre villageoiserie, on va rester dans notre civilisation. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on décide? Ce n'est pas ça là. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça le combat de Kwame Okrouman dans le panafricanisme. Ce n'est pas ça le combat de Cheikh Antia Diop pour le fédéralisme. Ce n'est pas ça le combat. Le combat, c'est que oui, nous avons gardé notre culture. Il y a la fête des riches chez les bêtés, il y a la fête des ignames chez, 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 chez les baoulés, il y a la fête des générations chez les adjoukrous, il y a la fête des générations chez les Sénoufo. On a notre culture, comme je le disais tantôt. Donc, aujourd'hui, la division des frontières, comme tu es en train de le signifier, qui doit faire obligatoirement... Du Burkinabé, aujourd'hui reconnu Burkinabé Ou bien du Malien Qui aujourd'hui a son passeport Malien Ou bien du Libérien qui a son passeport Libérien Qui se reconnaît en tant que Libérien Qui siège à l'ONU en tant que Libérien De devenir Ivoirien obligatoirement Nous disons non Moi je moi rien droit dans l'Égypte Je te dis non Il ne faudrait pas qu'on blasphème Il peut l'être Ivoirien Par naturalisation Parce que la loi Ivoirienne n'est pas close La loi Ivoirienne n'empêche pas moi, j'ai aujourd'hui un ami qui vit en Suisse. Il est marié avec sa femme suisse. suisse. Ils vivent en Suisse. Mais où je te parle, il n'est pas encore naturalisé suisse. Parce qu'il faut, lui il faut cinq années de mariage, de vie sur le territoire pour devenir suisse. Ça, c'est la loi suisse qui le dit. Mais la fille, son épouse, elle est déjà ivoirienne. Elle, elle a son passeport. Elle a son passeport ivoirien. C'est la loi ivoirienne. Donc, c'est pour dire que la Côte d'Ivoire n'est pas fermée à la naturalisation. La Côte d'Ivoire n'est pas fermée à la naturalisation. Et donc le frère, mon frère, mon frère est libérien qui est le BT de Libéria, qui semble être à l'aise en Côte d'Ivoire, mais s'il vient en Côte d'Ivoire, il doit se référer à la loi ivoirienne. Même si je le loge chez moi, qu'il habite chez moi, il doit se référer à la loi ivoirienne. Kémy tu as tes frères qui sont venus du Bénin, ils sont venus te tuer en France. Toi tu es français. Mais est-ce que ces frères sont devenus automatiquement français Est-ce qu'ils sont devenus automatiquement français Je te dis non. Moi je connais la loi française. Il ne pourra pas devenir français automatiquement, même de souche avec toi, il ne peut pas, parce qu'il n'y a pas de regroupement familial entre frères et frères. Il est obligé d'épouser une Française. Il est obligé de travailler sur le territoire français pendant un certain nombre d'années avant de se naturaliser. Donc, ce qui n'est pas logique dans le monde, n'imposez pas ça aux Ivoiriens. Aujourd'hui, c'est la même politique qu'Alassandra Manon a menée en Côte d'Ivoire. Non, les frontières n'existaient pas avant. Non, les frontières n'existaient pas avant. Ce sont les Blancs qui sont venus séparer. Donc, le Burkinabé, il est obligatoirement ivoirien. Le Ghanéen est obligatoirement ivoirien. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que les mêmes frontières que tu as définies au nord, que tu n'as pas pu définir à l'est, moi je te le dis, il y a des amis qui sont du Ghana, qui ont leurs parents au Ghana. Mais aucun Ghanien n'a pris les armes en Côte d'Ivoire. Va regarder aujourd'hui au Ghana. Combien est le métissage entre Ghanien et Ivoirien Va à Trècheville. Il y a un quartier Ghanien qui est misé bas. Autant à Port-Boué, il y a un quartier béninois derrière l'hôpital de Port-Boué. Est-ce qu'on peut permettre ça Est-ce qu'il y en a au Bénin Depuis quand la Côte d'Ivoire a été xénophobe, parce que tu as exploité cette, cette expression, tu es rentré en Côte d'Ivoire avec euh, des, pré de, des préjugés. Nous ne sommes pas xénophobes, Yékemi Siba. La prisonnière, ma soeur, vit au, au Togo. Nous ne sommes pas xénophobes. On a des neveux et des nièces. Nous ne sommes pas xénophobes. Donc, tu ne peux pas soulever la politique que Alassane Dramane Ouattara a utilisée pour décimer, pour mettre la Côte d'Ivoire en guerre aujourd'hui, en utilisant nos frères du Nord, tels que Soro Guillaume, tels que Soul Toussoul, tels que euh, euh, C'est Congo Félicien, les vrais fils du Nord de la Côte d'Ivoire, pour tuer les frères du, du Sud de la Côte d'Ivoire. Mais c'est cette, cette politique-là que tu as. Parce qu'en en demandant, en résumant de façon facile hein, le découpage de, du monde entier comme ça, du fait que l'Afrique soit découpée comme ça, il ne doit plus avoir des frontières. Mais pourquoi toi, tu t'es réclamé béninois Fallait pas te réclamer béninois, il faut te réclamer daomien. Pourquoi tu parles le français Séba, pourquoi tu parles le français Pourquoi tu parles, tu es aujourd'hui panafricani, tu es, es, pan es anti-France-Afrique. Mais tu parles le français, pourquoi Pourquoi tu ne t'exprimes pas en daomien pourquoi tu jettes pas ton passeport français? Pourquoi tu ne le fais pas? Donc la Côte d'Ivoire ne va pas être la chasse gardée de tout le monde. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est que euh, Sankara ne s'est jamais réclamé de la Côte d'Ivoire. Sankara aurait pu venir tuer au feu pour dire, moi mais ici, si, voilà, je mes m'installer en Côte d'Ivoire. Sankara ne l'a jamais fait. Quand même on pouvait le faire. Modibo Keita pouvait dire non. La Côte d'Ivoire est plus riche que euh, 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 moi, ma terre. Donc, je suis ivoirien. Le libéral Charles Taylor, ou bien, euh, comment on appelle ça, Do, 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 comment on appelle, l'un des présidents du Libéria, il a ses racines en Côte d'Ivoire. Il a sa famille en Côte d'Ivoire. Concernant le même découpage dont tu as parlé. Mais est-ce que ce dernier a pris les armes pour venir tuer la Côte d'Ivoire Est-ce que ce dernier, bien qu'il était armé, est-ce qu'il a pris les armes contre Boigny pour me contre le peuple ivoirien Non, ça n'a jamais été le cas, Kimisiba. Donc, recentrons le débat à ce niveau. Moi, je ne suis pas, je le dis, je le dis et je le répète, je me sens plus à l'aise dans ma culture que le, le nom du business que la France nous donne, qu'on appelle Côte d'Ivoire. L'origine de la Côte d'Ivoire, c'est quoi Kémy Seba. Kémy Seba, l'origine de ce nom, c'est quoi Les gens sont venus sur nos côtes, ils ont trouvé des éléphants. Ils ont vu que le business était l'ivoire. Si la peau d'éléphant était un business, ils allaient nous appeler Côte éléphant. Ils allaient nous appeler les éléphants. Un nom animal. Les Français ne nous ont pas respectés. Ils nous ont donné un nom d'ivoire. La Côte d'Ivoire. Mais pourquoi ils n'ont pas dit la Côte des de peuples Ou bien ils n'ont pas dit, ils pourraient dire la Côte des peuples parce qu'on est plusieurs peuples. Ils pourraient dire ou bien la Côte des Baoulés. Ils pourraient dire la Côte des Sénifaux. Mais pourquoi ils ne l'ont pas dit Et puis ils ont choisi, parmi tant, ils ont choisi le nom d'un animal éléphant pour nous donner. C'est pourquoi moi je ne me réjouis pas de dire la Côte d'Ivoire à mon pays. Je préfère même l'appeler Ebuni. Je ne me réjouis pas de me dire que je suis ivoirien. Moi je me sens plus bêté que ivoirien. Moi je le dis. Et que ça peut choquer qui ça peut choquer. Moi je parle bêter à mes enfants. Je me sens plus bêté que, je, que de me sentir ivoirien. C'est pourquoi je suis d'accord avec toi quand tu dis que tu n'es pas d'accord avec l'ivoirité. Moi peu importe, peu importe que ce soit l'ivoirité culturelle, que ce soit l'ivoirité à sa portée politique. Moi, je, je m'en moque. Je ne suis même pas d'accord avec l'expression ivoirienne. Parce que je préfère qu'on fasse, on fasse plutôt la, la promotion de la culture baoulée, la promotion de la culture abran, qu'on fasse la promotion de la culture maouka, que de faire la promotion de la culture ivoirienne. C'est où on a vu ça Aujourd'hui, moi j'ai passé du temps en France. Quand tu arrives en France, en été, chaque région de la France fait, ses, fait sa fête culturelle. Chaque région. Le nord de la France a sa culture qui n'a rien à voir avec le sud de la France. Donc, je préfère ça, qu'on vienne faire la fête de l'ivoarité. Moi, moi, ça ne m'a jamais dit quelque chose. Et puis, ça ne m'intéresse même pas. Donc, autant avec toi, je te rejoins. Mais moi, c'est le volet que tu veux prendre dans la question de l'ivoirité C'est que Bédier a créé ce, ce phénomène pour pouvoir barrer le chemin à Alassandra ouattara Ou bien pour pouvoir barrer le chemin à tous les nordistes. Tu, tu as osé le dire. À tous ceux qui sont ressortissants de cette langue dans la salle Ouattara. Mais c'est faux, Kémi Connais-tu Fadiga Lamine Connais-tu cet intellectuel qu'on appelait Fadiga Lamine Il a travaillé, il a travaillé avec Henri Conabédier. Tu connais le maître des mathématiques en Côte d'Ivoire, Touré Saliou Il est du Nord. Connais-tu Bamba, euh, 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 Bamba Moriféré, Ferré, illustre intellectuel Il est du Nord. Connais-tu Bala Keïta Connais-tu la famille que, que toi-même tu as citée hein, Pélophoro bon, le patriarche bon. Tous ceux qu'on appelle les bons et les Gons. Mais toute cette famille a travaillé avec Oufou Bani. Comme tu as parlé de Babo Laurent, eh, les nordistes eh, travaillaient. Mais aussi avec Oufou Bani. Même avec Henri Conabédier. Henri Conabédier n'était pas contre les nordistes. Henri Conabédier n'était pas contre les malinqués. Les nordistes, c'est une, une appellation géographique. Mais je veux parler des peuples qui existent là-bas. Au nord, il y a les Malékés. Oufo Banyini ni Henri Kona n'étaient contre les Malékés. Ils n'étaient contre les Odinekas. Ils n'étaient contre les marouka. Jamais ça n'a été le cas. On est tous allés à l'école. Moi, je te dis, Kemi Sébastien, tu ne le sais pas. Les, les, les peuples qui ont reçu même plus d'élèves, les ethnies, qui se sont positionnés comme les tuteurs des, des élèves en Côte d'Ivoire, qui ça c'est quel peuple. C'est les malékés. Aujourd'hui, tu vas regarder 80%, 80% je me rappelle, 75% des Ivoiriens qui ont laissé leurs parents aller étudier dans une autre ville. Ils avaient pour tuteur ce qu'on appelle les Djula, ce qu'on appelle les malékés, On n'a pas de problème avec eux. On n'a pas de problème avec eux. Avant, tu es allé rendre visite à un monsieur qui a perdu sa maman. Il me dit que son grand frère qui est décédé portait le nom de Pelephoro. Bon, il était... L'homonyme du patriarche parce que le père vivait à Korogo. Mais on a des familles où des parents sont bêtés. Les enfants s'appellent Fatou. Les enfants s'appellent Awa. Les enfants s'appellent Jeniba. Va fouiller. Va fouiller dans nos cultures. On n'a jamais connu ce problème. Le seul problème aujourd'hui qui, qui frappe notre pays est la mentalité que Alassane Ouattara a, que toi qui tu as aujourd'hui. Cette mentalité qui voudrait que. Tous ceux qui sont venus des peuples africains soient obligatoirement ivoiriens sous prétexte que c'est la colonisation qui nous a séparés. J'ai dit non. Kémy j'ai dit non. Si c'est le cas de figure, les Béninois ne vont pas vivre en Côte d'Ivoire parce qu'on est très éloignés. Si c'est ce cas de figure, les Béninois qui sont paisibles assis en Côte d'Ivoire ne pouvaient pas s'asseoir en Côte d'Ivoire. Donc Kémy on ne peut pas travailler comme ça. On ne peut pas vivre comme ça. L'Europe était une hier. Mais l'Allemagne est l'Allemagne. La France est la France. Même les partis de gauche qui sont censés faire la politique de l'immigration, mais défendent leur souveraineté en France. Les, le parti socialiste, le parti de Mélenchon, défendent leur souveraineté devant l'Allemagne. Ils trouvent que les précédents les, les, les présidents ont trop donné l'avantage à l'Allemagne. Mais partout, il y a toujours cette souveraineté. Il y a toujours cette souveraineté. Donc pourquoi je veux que chez nous, on ne puisse pas eh, faire valoir cette souveraineté? Quand on se dise, bon, comme on est, on est dans la politique panafricaine, alors tous ceux qui viennent en Côte d'Ivoire sont les bienvenus. Oui, ils sont les bienvenus, mais ils ne sont pas automatiquement ingérables dans notre politique ivoirienne. Ils sont pas automatiquement eh, de... Eh, ils n'ont pas, pas la caution de tout faire dans notre économie. Tu imagines sur le sang parce qu'il est béninois, il vient en Côte d'Ivoire, il travaille, il fait de l'argent, il ne paye pas ses impôts, il ne paye pas ses taxes. Parce que. On Est dans une politique panafricaniste, non, c'est pas de ça que Kwame Koumba en parlait. C'est pas de ça que Kwame Koumba en parlait. Donc, les frontières sont aussi du fait de, de, euh, du langage. Aujourd'hui, la France est frontalière à l'Allemagne la, à parce qu'ils la, ne parlent pas la même langue. Ils ne parlent pas la même langue. Ils ne parlent pas la même langue. Aujourd'hui, regarde le petit pays comme la Suisse, ils ont au moins trois. Trois grandes langues. Ils ont, ils ont trois grandes langues, mais en, en, dans l'ensemble, ils parlent quatre langues. Ils ont l'allemand, ils ont le français, ils ont l'italien, et puis ils ont le romaniche. Mais le français et l'allemand créent du coup une frontière entre ces deux peuples. L'italien et l'allemand la, créent une frontière entre ces deux peuples parce que ils ne parlent pas le comment on appelle ça, la même langue. C'est une frontière naturelle. C'est ça qu'on appelle les frontières naturelles. Ce sont les frontières culturelles. Qui existait déjà bien avant que la frontière géographique vienne. Mais aujourd'hui, la Suisse, dans son ensemble, ils vivent ensemble. Mais ils savent qu'il y a une frontière culturelle, il y a une frontière naturelle. Ils sont obligés de tenir compte de ça. Et puis ils disent Bon, on va créer une frontière géographique qui va nous, qui va nous amener à une confédération. C'est pourquoi en Suisse, aujourd'hui, on te parle de la confédération. C'est une fédération des différentes, des différentes localités qui se décident de se mettre ensemble. Mais ils vivent d'abord, ils acceptent de vivre ce qu'ils sont. Donc, il y avait déjà une frontière naturelle. Il y avait une frontière naturelle en Côte d'Ivoire avant l'arrivée des colons. Et cette frontière naturelle-là ne nous empêche pas d'être, c'est nous faux, de la Côte d'Ivoire et d'aller faire nos fêtes au, à, au Mali ou bien à Korogo parce qu'on a nos parents qui y résident et ça a été séparé depuis des siècles. OK, ça n'empêche pas. Mais on doit tenir compte de ça. Qu'on veut ou non, on doit tenir compte de ça. On doit tenir compte de ça. Même si tu as ta maman qui est américaine, que tu n'es plus, plus dans l'âge du regroupement familial, tu ne pourras pas devenir américain. Ça, c'est clair, c'est comme ça, ça y est. Aujourd'hui, on ne va pas en vouloir. On va pas s'en vouloir éternellement parce que la colonisation a existé. On va s'en vouloir. Non, avançons. Et quand on avance, on tient compte du fait qu'il y a une réalité qui s'impose. Donc les Ivoiriens ne sont pas xénophobes, Kémy. Ils ne sont pas xénophobes. Les Ivoiriens, ils sont. Dans la pratique des lois et des règles de leur pays. Et je suis choqué quand tu dis qu'il y a eu un peuple Daomé qui a été opprimé en Côte d'Ivoire. Mais Kémy Seba, donne-moi la date. Quand est-ce que les Dahomiens ont été opprimés en Côte d'Ivoire? Depuis quand il y a eu des crises entre, entre le peuple ivoirien et les Béninois, qu'on appelle les Daomiens? Parce que tu as utilisé le mot Daoméen. Ton père a joué au football en Côte d'Ivoire. Ta famille a existé en Côte d'Ivoire. Mais ton père s'est enrichi en Côte d'Ivoire, il faut aussi le dire. Mais à quel moment il y a eu une crise entre les Daoumiens et les, et les Ivoiriens Depuis quand Moi, je ne m'en souviens pas. Je sais qu'il y a eu un problème entre ASEC-Kotoko, à cause du football, entre, entre ASEC et le Kotoko. Ça crée une crise où il y a eu l'attaque contre les Ghanéens. Les Ghanéens aussi attaqué les Ivoiriens là-bas. Mais après, vite fait, ça s'est étouffé. Parce qu'ils savent que oh, nous, tous, on sait que nous sommes un peuple uni. On vit ensemble. On ne peut pas se séparer. Donc, ça, c'est la crise dont, dont je m'en souviens. Il n'a jamais eu même une chasse aux sorcières contre les Burkinabés. Il n'a jamais eu une crise entre les Burkinabés et les Ivoiriens. Moi, je ne m'en souviens pas, Kémy Siba. Je ne m'en souviens même pas. Même sur Babo Laurent, que tu as traité de xénophobe en son temps, quand tu soutenais Alassane Ouattara pour faire tomber Babo Laurent. Babo Laurent, il n'a jamais maltraité aucun Burkinabé. La preuve en est dans l'acte patriotique que, que nous tous, dans laquelle nous y étions tous avec Blegoudéchal. Mais il y avait... Un certain Kemi, Kemi de quoi là, du Burkina, qui faisait partie de cette galaxie, au nom du Burkina. Non, arrêtez ça, Kemi Siba. Arrête d'être l'oiseau de mauvais augure. Qu'a été Alassane Ouattara pour les Ivoiriens Alassane Drama Ouattara, il n'a pas, il n'a pas, il n'a qu'un seul problème. Et qu'il arrive à définir ses origines. S'il a convaincu qu'il est de con, on est passé à autre chose. Mais ne dis pas que tous ceux qui sont étrangers. Non, Bion aujourd'hui regarde en Côte d'Ivoire. Pas mal d'Ivoiriens, pour ne pas dire 60% d'Ivoiriens, espéraient que Bion soit candidat du PDCI. Mais quand tu entends le nom Bion là, c'est un nom BT. Quand tu entends Bion, c'est un nom Baoulé. Quand tu entends Bion, c'est un nom de Catiola qui s'appelle Bion. C'est un Français. Mais on l'accepte comme tel. Parce que sa mère est ivoirienne. On l'accepte comme tel. Tidiane Tiam aujourd'hui, qui est réclamé par pas mal d'Ivoiriens. Est-ce que. Il est entièrement ivoirien. Son père est sénégalais. Mais on accepte Tidian Tiam. La est, le grand frère Tidian Tiam est roi à Sokoro Le grand frère Tidian Tiam, il est gouverneur à Sokoro Mais pourquoi vous racontez des anneries et des bêtises Non, ne faisons pas ça, Tidian Tiam et Kemi Seba. Non, moi je te désavoue à ce sujet. La côte d'Ivoire ne va pas être une terre de tout le monde comme il veut. La Côte d'Ivoire est une terre du peuple ivoirien. Tous ceux qui viennent doivent se référer à la règle, à la réglementation ivoirienne. Aucunement un Sénifo n'a été traité de Burkinabé, jamais. Aucunement un Ahmed Bakayoko, qui est de, es de Seguela, un Maouka n'a été traité de Burkinabé, jamais. En aucun moment, Lamine Fadiga n'a été traité de Malien. En aucun moment, Balakeita n'a été régné en tant qu'Ivoirien. Jamais. 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 C'est l'histoire d'Alassane Ouattara qui est connue de tout le monde. C'est l'histoire d'Alassane Ouattara que Bédio connaît, que Oufo Banyu connaît. C'est l'histoire d'Alassane Ouattara qui a travaillé à la BCAO en tant que Burkinabé, en tant qu'ordre Volta. C'est l'histoire d'Alassane Ouattara que la France a envoyé en Côte d'Ivoire pour gérer un conseil interministériel qui est devenu par la suite premier ministre, juste pour un volet économique, juste dans un cadre financier économique pour redéployer. Comme Thomas qui l'a dit, par le programme d'ajustement structurel, l'intérêt des Français, ça c'est limite là. Et après, qu'est-ce qu'il fait Il regagne d'où il vient. Ce qui a été le cas pour certains. Moi, j'ai connu mon directeur d'école à Daloa au, euh, au CSP de Dalwa. C'est un Tchadien. Après, il, il s'est retrouvé premier ministre au Tchad. Donc, cela ne veut pas dire que Alassane Ouattara, à cause de lui, tous les Burkina sont en mal. C'est faux. C'est faux. Rien au dessus de Miremont. Ce sont des métis, ce sont des blancs. Regarde aujourd'hui, pas mal de métis aujourd'hui qui sont, qui ont travaillé dans le gouvernement ivoirien ou bien qui travaillent, dans, qui, qui occupent des postes de responsabilité. Mais on n'a pas de problème avec ça. Un État est régi par des lois. Un État, là, il est régi par des lois. Tu as parlé de la question de, de la carte de séjour. Moi, à ce niveau, je n'en veux pas à Alassandra Mawattara. Hein. Kémy Séba. Je n'en veux pas à l'ascendant Ouattara. parce que le lacard de séjour existe en France, d'où tu viens. Dans les clauses des États, il est dit que quand tu es de la CDAO, tu peux circuler, circuler, circuler. C'est-à-dire que tu peux rentrer en Côte d'Ivoire sans visa. Tu peux tu peux séjourner en Côte d'Ivoire pendant des semaines, pendant des mois sans visa. Mais lorsque tu décides de séjourner, de t'installer, de, de travailler en Côte d'Ivoire, parce que tu veux travailler en Côte d'Ivoire, si tu es béninois, que tu tu décides de t'installer en Côte d'Ivoire pour travailler. Alors là, mon ami, c'est différent d'un voyage touristique. C'est différent d'un voyage touristique. Même en France aujourd'hui, quand tu veux venir en France, tu demandes un visa touristique, on te donne. Mais quand tu arrives, on ne renouvelle pas ton visa touristique, un, un visa de séjour. Non, il faut d'abord remplir des conditions pour avoir le titre de séjour. Même en France. Celui qui est espagnol, toi aujourd'hui es français que Tu te déplaces de la France pour aller en Espagne. Tu n'as pas droit, tu n'as pas besoin d'un visa. Tu n'as pas besoin d'un visa. Mais le jour qui t'installe, ou bien quand tu te déplaces pour, venir, pour aller en Suisse, tu n'as pas besoin d'un visa. Vous êtes toujours dans le, dans le cadre des accords européens. Ok. Quand tu arrives en Suisse, qu'est-ce qui se fait Bien que tu sois français, tu peux vivre en Suisse. Mais le jour qui réside en Suisse, le jour où tu à travailler en Suisse. Parce que c'est ce qu'on t'oblige d'abord. Que tu dois rester en Suisse au plus 6 mois. Tu ne dois pas excéder. Sinon, si tu excèdes, tu dois sortir et puis revenir. Mais on t'oblige à chercher du boulot. Si tu es français, que tu vis en Suisse, tu dois chercher du boulot. Dès que tu as le boulot, tu dois chercher ta carte de séjour. Ils vont te donner une carte de séjour qu'on appelle le permis B, qui est valable pour 5 ans, pour que tu vives sur le territoire pendant 5 ans. Donc, c'est ce que Alassane a créé. Mais c'est une base économique. On n'a pas dit que c'est interdit aux gens de la CDAO de vivre en Côte d'Ivoire. Non. On dit tu viens en Côte d'Ivoire. Oui. Maintenant, quand tu t'installes en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que tu dois faire Tu dois chercher du boulot. Tu ne pas rester en Côte d'Ivoire pour errer. Non. Tu dois chercher du travail. Maintenant, quand tu as eu le travail, qu'est-ce que tu dois faire Mais tu dois contribuer économiquement. On crée une carte de séjour. La carte de séjour existe en Europe. La carte de séjour existe dans les États américains. Quel est le problème Là n'est pas le problème encore, Kemi. Donc, moi. Pour la carte de CADCJ, je suis tout à fait d'accord avec Alassane. C'est un moyen économique. Je suis d'accord avec lui. Parce que quand Alassane faisait ça, les mêmes gars se sont dit non. Il a, les mêmes Burkinabés se sont dit oui, ce gars-là est venu contre nous. Oui, oui, c'est de là qu'a commencé la colère des Burkinabés, la colère des étrangers, la colère de nos frères venus de l'Afrique. C'est là qu'a commencé la colère. Parce que les choses changent. Mais peut-être qu'Alassane n'a pas utilisé la manière. Moi, je dis toujours une loi doit se faire entretenir. On ne peut pas prendre une loi aujourd'hui et puis le lendemain, ça rentre en exécution. Non. Quand dans les, pays, dans les pays intellectuels, dans les pays développés, quand on consomme, on, on vote une loi aujourd'hui, on dit qu'elle rentre en vigueur en 2024, en 2025. Bon, ça a été brusque. Moi, à ce niveau, je pense que ça n'a pas été stratégique. Ça, je suis d'accord avec. Ça n'a pas été stratégique. Ils auraient dû prendre la décision de la loi en 90 et puis accepter qu'elle rentre en vigueur en 94, ou bien en 93, ou bien en 92. Mais ça ne devait pas dire tic au tac. Ça, c'est normal. Les gens aussi peuvent se plaindre. Parce que ce sont des opérateurs économiques, ce sont les gens qui contribuent au développement de la côte d'Ivoire. Mais il n'y a pas un débat là-dessus. S'ils ne veulent plus de la carte de séjour, ils n'ont qu'à écouter ce que la loi dit. La loi te dit peut-être qu'il faut épouser une Ivoirienne. Ou bien il faut avoir un enfant Ivoirien. Je ne sais pas ce que la loi dit parce que je ne connais pas assez. Mais je suis sûr d'une seule chose. Il suffit qu'à une Ivoirienne, tu vas devenir Ivoirien. Donc quand tu as ta carte, ton passeport Ivoirien, tu n'as plus droit à une un carte de séjour. Donc, Kémy Seba, voilà comment même au Bénin, ça fonctionne. Même en France, peut-être que tu ne connais pas le BD, mais en France, où tu vis à Strasbourg, c'est comme ça que ça fonctionne. Pourquoi en vouloir aux Ivoiriens Pourquoi en vouloir à Henri Conan Bédier Parce que hier, yeah, et en vouloir même à toute la classe politique ivoirienne. Parce que selon toi, les gens ont, ils ont épousé cette politique-là pour éloigner les étrangers de la classe politique ivoirienne. Non, c'est faux. C'est faux. Alassandra Ouattara n'a pas voulu suivre une procédure. Alassandra Mouattara est venu pour pouvoir euh, envenimer la situation. Il a regardé la situation. Il savait qu'il ne pouvait pas atteindre directement les Ivoiriens. Il est passé par la couche qui en a besoin. Moi aujourd'hui, pour vous qui vivez, euh, si tu par exemple qui vis dans un pays européen ou bien un pays ailleurs, si on te dit que moi je viens pour la défense de vos intérêts, tu vas soutenir, regarde dit en France, combien d'Ivoiriens, combien d'Africains qui ne veulent pas voter Marine Le Pen Parce que Marine Le Pen dit quand elle est là, elle va régulariser, elle va revoir la situation. Donc du coup, Marine Le Pen se met à dos. Cela. Mais entre-temps, le Parti Socialiste dit, non, quand on est là, on va gérer la question des immigrés, il n'y a pas de soucis. Du coup, ça leur donne des de voix. Tout ça, c'est la stratégie politique. Mais dans le fond, reconnaissons que tu ne peux pas être dans un État. Tu ne peux pas être dans un pays et puis piétiner les règles et les lois. Ce n'est pas normal. Donc, Kémy bas. à ce niveau-là, j'aimerais que tu comprennes que la carte de séjour, elle n'était pas mauvaise. La carte de séjour, c'était seulement un phénomène économique. Que certains, comme tu l'as dit, ont transformé ça politiquement pour pouvoir eh, nous embêter. Sinon, on a, on a, on a, en Côte d'Ivoire, on a plus de peuples africains qu'ailleurs que tu ne peux trouver au Bénin. Donne-moi le pourcentage, donne-moi le pourcentage d'Africains vivant sur le territoire béninois. Ça ne donne pas le pion la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est la terre aujourd'hui en Afrique qui regorge de plus d'Africains. Et ça faut féliciter la Côte d'Ivoire. Ça, il faut féliciter les Ivoiriens. Ça, il faut féliciter ce peuple, la mosaïque, qui se préfère déjà, mais qui accepte d'autres personnes. Au lieu de les insulter des xénophobes. Il n'y a pas de xénophobes en Côte d'Ivoire. Il n'y a que des, un peuple qui voudrait qu'on les respecte. Il y a un peuple qui veut que, on, que, que ceux qui viennent s'acceptent eux-mêmes d'abord. Tu es malien, tu arrives en Côte d'Ivoire, accepte-toi d'être malien. Moi, je connais un jeune ici qui a le statut d'ivoirien. Il a le statut d'ivoirien. Il a été rapatrié. Vous savez où il est parti directement Il est allé directement au Mali chez lui. Or, oh, dans les papiers ici, il est ivoirien. Vous trouvez ça normal Mais il est parti directement dans son pays. Parce qu'il a honte d'aller en Côte d'Ivoire où il a vécu. Mais il est allé au Mali. Donc, ça veut dire que ses intérêts se trouvent au Mali. Son investissement se trouve au Mali. Mais en temps, la Côte d'Ivoire, il n'a pas investi là-bas. Mais pour ça, on ne va pas en vouloir à Lala Droba d'aller investir au Mali, même si elle est épousé un ivoirien. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Donc, à ce niveau, Kémy Seba, à ce niveau, moi, je pense que je, je, je voudrais bien te dire que le, le, la question de la carte de séjour, elle est faite et c'est normal partout dans le monde, il y a la carte de séjour. Et donc, ne pas en, ne, en vouloir terriblement à Henri bédié qu parce qu'aujourd'hui, quand tu dis que tu en veux à Henri dit, dans la dans l'actualité politique dans laquelle nous sommes, Henri Conabédier est le porte-flambeau de l'opposition. Quand tu es tenté de mateler Henri Conabédier, quand tu es tenté de le mateler, c'est ce que le RDF fait. Que tu es tenté d'exprimer pour pouvoir désolidariser les jeunesses, les jeunesses ivoiriennes d'Henri Conabédier. Ça, je ne peux pas l'accepter. Moi-même, moi, je ne suis pas PDCI. Je ne l'envoie pas pour Henri Conabédier. Mais dans la situation actuelle nous sommes, c'est le moindre mal. C'est le moindre mal qu'on doit accepter. Donc, en voulant Henri Conabédier sous le prétexte d'un sujet qui n'est plus d'actualité, qui, qui est l'ivoirité, mais moi, je pense que. La politique de l'ivoirité elle, elle n'est pas mauvaise. Il faut aussi que les gens comprennent. Il faut donner l'amour aux, aux Béninois. Il faut donner l'amour aux Togolais qui vivent en Côte d'Ivoire, aux Ghanéens, aux Burkinabés, aux Français de devenir Ivoiriens. Moi, je connais un Français qui s'est fait appeler Zadi. Il dit, il lui il est bêté de Gagnois. Parce qu'il a épousé une Ivoirienne qui lui a donné l'amour de la Côte d'Ivoire. Il dit il s'appelle Zadi. Un Français. C'est ça l'ivoirité c'est amener les autres à aimer. Mais ce qui me plaît, c'est que moi, ça, elle a fait plutôt la culture du BT dont, je, dont, dont je, je me réclame. Donc, moi, je suis fier. Parce que moi, l'ivarité ne m'intéresse même pas. Quand on me demande ailleurs, je réponds tout, je suis BT. On me dit BT, c'est quoi Il dit, c'est un peuple qui a une histoire, qui a une identité, qui a une langue, qui a une langue en Côte d'Ivoire. C'est ce de ce peuple-là, je viens. Voilà. Il dit, ah, nous, on commence Côte d'Ivoire. Il dit, oui, acceptez Côte d'Ivoire. Mais en réalité, moi je défends aussi, j'ai fait la promotion de mes origines. La Côte d'Ivoire n'est pas mon origine. Voilà, ça peut choquer qui, ça peut choquer, mais moi je ne suis pas là pour faire la promotion de la Côte d'Ivoire. Je suis là pour faire la promotion de ma culture, de mon ethnie. Et cet ethnie est de la Côte d'Ivoire. Donc du coup, ça fait la promotion de la Côte d'Ivoire. Alors donc, nous ne sommes pas xénophobes, Kemisiba. Nous ne sommes pas des xénophobes. L'ivoirité, Henri Kounabedi, n'a pas créé ça pour exclure les étrangers. Aussi cadeau. Mais attends, quand tu dis exclure les étrangers, mais comment tu peux dire que quelqu'un est, étrange, est étranger, une personne est étrangère et tu parles de son exclusion Mais étranger, c'est celui qui ne jouit pas de la nationalité du pays où il vit, Kémi Seba. C'est la définition de la rousse. Mais comment tu peux dire que moi, Ramsès, on m'exclut de chez les Agnis Mais on m'exclut comment Je ne suis pas Agni. Je ne connais même pas la culture Agni. En quoi on m'exclut? On exclut personne. Bédier n'exclut personne. Comment tu peux dire qu'il exclut les étrangers? Les étrangers ne peuvent pas briguer le poste présidentiel en Côte d'Ivoire. Autant les étrangers ne peuvent pas briguer le poste présidentiel en France chez toi, Kémy Autant et aucun Ivoirien ne peut briguer le poste de président au Bénin, Kémy De quoi parles-tu? Comment Bédié peut exclure des étrangers ainsi que Ado au poste présidentiel. Mais ils sont étrangers. On ne les, on ne les exclut pas. C'est leur place réelle qu'elle là. Il est étranger. S'il veut devenir président, il doit se naturaliser. S'il si se naturalise, comme le comédien, il a été candidat. Aujourd'hui, Assalfo peut être candidat en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, voici Copa Barry. Copa Barry qui a, émis, ça, qui a émis la dernière fois une prière pour la Côte d'Ivoire et la Guinée. Ces deux pays de cœur. Mais c'est normal. Kémy, les choses, Bari, demain veut être candidat en Côte d'Ivoire. Il peut être candidat, il peut devenir président. On va le soutenir. Tu as déjà vu dans les élections de la FIV, quand Barry parle, tu as vu un Ivoirien, lui dit, oh toi, tais-toi, parce que tu n'es pas Ivoirien. Non, Barry il est Ivoirien, il est naturalisé, il est Ivoirien. Et ça, c'est indiscutable, Kémy Séba. Si ton père t'a mis au monde en Côte d'Ivoire, tu es Ivoirien. Si tu sais t'est naturalisé, tu es Ivoirien. À ce titre-là, Kémy Séba, si tu sais veux être candidat, parce que là, en ce moment, je pense que c'est ta politique d'exclure, de marginaliser notre opposition, de marginaliser Alassane Draman et, et son opposition. Maintenant, tu veux faire quoi Tu veux qu'on brandisse un étranger Mais viens être candidat si tu es naturalisé ivoirien. Mais si tu ne l'es pas, Kémy Seba, il faut te taire. Tu n'as pas le droit de t'exprimer. Tu n'as pas le droit d'être candidat. Naturalise-toi et viens être candidat. Les gens vont te voter. Il n'y a même pas de souci à cela. Il n'y a pas de souci à cela. Il n'y a pas de souci à cela. Et donc, dis de contre-vérité. Que les Daoumiens furent opprimés par les Ivoiriens. Non, Kémy il faut retirer cette parole. Il faut retirer cette parole. Entre-temps, entre temps, je vais finir et, et, pas par là, mais je vais finir bien avant ça. Entre-temps, quand tu t'exprimes, je t'ai écouté, énormément en train de répéter le nom Draman. Draman, Draman, Draman Ouattara. Je ne te comprends pas. Tu dis quelque chose, tu veux quelque chose de son contraire en même temps. Mais quand tu parles de Draman Ouattara, tu sais très bien que le nom-là, ça donne ses origines. Donc, il n'accepte pas ça. Tu sais très bien que ce nom-là, à l'instant, Draman Ouattara n'aime pas. Il n'aime pas le Draman parce que ça prouve ses origines. Mais quand toi, tu le dis, c'est narguer. Quand tu le dis, c'est Nargué. Pour dire qu'en réalité, tu es un Burkinabé. Mais pourquoi toi, tu as le droit de lui dire boukinabé dans notre politique ivoirienne et puis nous, on n'a pas le droit de lui dire que non, il n'a pas sa place dans la, on ça, dans la politique ivoirienne parce qu'il ne s'est pas encore naturalisé. Pourquoi tu ne pas que nous, on lui dit ça parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quand tu lui dis Bukin, tu lui dis Draman, on t'arrache automatiquement tes et, 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 droits. Tu es d'accord avec ça Quand en Côte d'Ivoire, on ne dit plus Draman Ouattara, on dit Alassane Ouattara. Le Draman a sauté. C'est quand on est à l'orée des élections qu'il remet le Draman pour toucher ses origines, pour toucher le nombre euh, euh, de Burkinabés naturalisés en Côte d'Ivoire pour, pour, pour son soutien. Mais après ça, il recuse ré, le nom Draman. Mais toi, tu as répété ça une fois hier yeah, dans ton discours. Draman Ouattara, Draman Ouattara, et puis tu étais, tu étais, tu étais arrogant là-dessus. Draman Ouattara, Draman Ouattara. Ah donc nous on peut, toi tu peux dire Draman Ouattara, mais nous on n'a on pas le droit de lui dire ah Draman Ouattara, là là ce n'est pas ta place. Est-ce que tu as déjà entendu un ivoirien discréditer son petit frère? Photocopie. Non. Donc il ne faut, il faut pas jouer à ce jeu avec nous. Il ne faut pas surfer sur tous les bords mis. Nous on a des valeurs en Côte d'Ivoire. Hein? Ce combat que tu es en de mener là, nous on l'a mené depuis 2000 hein, avec Blegoudé au front. On l'a mené de, quand on parlait de la souveraineté de, de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas nouveau pour nous. Hein. C'est pour certains que c'est nouveau, hein. mais pour nous ce n'est pas nouveau. Aujourd'hui, c'est si Aladdin Draman Ouattara a fait tout pour que la jeunesse, cette jeunesse qui a, qui a combattu pour la souveraineté ivoirienne, ne soit plus en Côte d'Ivoire. En l'occurrence, Damana Picasse, Blegoudé Charles, Oké le Lion, Dazirignon. Toutes ces, toutes ces valeurs tapées Groubera, ne soit pas en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il sait qu'il y a de la valeur. Kémy, ce que tu as faire là, nous on connaît ça déjà. Nous on a formé des gens au qui sont des leaders au Burkina. Nous Ivoiriens, on a formé des gens qui sont devenus des leaders au Bénin. Nous on a formé des gens qui sont allés au Bénin et qui ont renversé le système syndical au Bénin. Qui ont renversé le système syndical au Togo, au Burkina, au Mali, en Guinée. Nous on a formé des gens en Côte d'Ivoire. On a formé des amis, on a formé des camarades, on a formé des frères. Donc, ce que tu fais là, ce n'est pas nouveau pour nous. Hein. Pour nous autres, ce n'est pas nouveau. Peut-être que c'est nouveau pour les gens du pays du, du, du RDA ou bien pour certains Ivoiriens qui ne se sont pas intéressés avant. Mais pour nous, ce n'est pas nouveau. Mais on ne peut pas te discréditer parce qu'on trouve que tu as quand même, par amour, nous on est hospitaliers, tu viens en Côte d'Ivoire, on t'accepte de, de pouvoir nous accompagner. Mais ce n'est pas toi qui prends le flambeau de ce combat. Le combat, nous le méritons. Ce combat, nous le méritons. Quand tu regardes Bleu Goudéchal, tu n'as pas plus de vue que Bleu Goudéchal. Nous, le combat, nous le méritons. Même aujourd'hui, même aujourd'hui, comment on appelle ça mon camarade Johnny Pacheco, tu n'as pas plus de vue que Johnny Pacheco. Or, oh, Johnny Pacheco est de, ma, est de notre formation. Johnny Pacheco a été formé par, dans l'école syndicale d'où nous on vient. Johnny Pacheco, c'est moi, c'est nous qui avons formé. Je n'aime pas trop me personnaliser. Mais Johnny Pacheco, quand tu lui montreras cette vidéo, il sera, il dit, c'est Ramsès, je le connais. Mais tu n'as pas plus de vue que lui. Tu n'es pas plus percutant dans, dans les analyses que lui. C'est notre formation. Donc, à ce niveau, nous pensons que si tu as discuter difficultés de comprendre ou bien d'accepter la politique ivoirienne, il, il faut t'exclure. Si tu as discuter difficultés. Maintenant, moi je pense que là où on se rejoint, c'est que c'est à part la confusion que tu fais du panafricanisme qui ne doit pour toi, le panafricanisme doit rompre les frontières. C'est faux. Le panafricanisme, c'est pas de ça que Kwame Nkrumah a parlé. Parce que le jeu auquel Drama Ouattara joue, c'est le même jeu que le papa de, le papa de choses a eu euh, aujourd'hui euh, 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 au niveau du Kenya, le papa de Barack Obama. Le papa de Barack Obama était le pion de la CIA. Il est venu pour empêcher la formation du panafricanisme. Bien évidemment avec le pion de la France Afrique qui était au Fouboigny, qui a tout fait pour ne pas que ça s'applique. Donc le papa d'Obama était le pion de la CIA. C'est à ce titre-là qu'ils ont permis à aujourd'hui Obama de devenir président des États-Unis. Sinon, ce pas parce qu'il était le meilleur. Donc, le panafricanisme, c'est notre acceptation culturelle. C'est notre acceptation dans le découpage colonial, mais en s'unissant. En s'unissant pour nous donner force pour ne plus être aux prises de l'opprimé et de l'oppresseur. Je me répète, le panafricanisme, ce n'est pas. Le on appelle ça, régner nos frontières. Le panafricanisme, c'est qu'on est dans des frontières. Kwame Kourman vient au nom du Ghana. Aïle Selassie vient au nom de l'Éthiopie. Oufo Boigny vient au nom de la Côte d'Ivoire. Et Yadema vient au nom du Togo. M. Euh, Soglo vient au nom du Bénin. Atete vient au nom du Mali. Sankara vient au nom Modibo Keita vient au nom du Mali. Sankara vient au nom du Burkina. Sekouture vient au nom de la Guinée. Mais c'est ça, leur ident ils ont des origines, c'est leur identité qui est là. Ils viennent avec ça et puis on décide maintenant de dire non, on va créer les États-Unis d'Afrique. Le, voilà, voilà la base du panafricanisme. Les États-Unis d'Amérique n'excluent pas la reconnaissance de Chicago comme État. Les États-Unis d'Amérique dans les 52 États, on n'a pas dit comment on a dit États-Unis. D'Amérique, bon, euh, euh, Chicago n'existe plus, New York n'existe plus, Maryland n'existe plus, euh, non, Louisiane n'existe plus, non, 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 c'est faux. Aujourd'hui, quand tu même la composition des États-Unis, ça tient compte de leurs origines. Quand tu prends la Louisiane, la Louisiane vient, ses origines, c'est la France. Quand tu prends la Nouvelle-Orléans, la Nouvelle-Orléans, ses origines, c'est or, Orléans, ici en France. Il y a aussi, il y a un pays qu'on appelle Grundbank, ses origines c'est en Suisse, et puis la plupart leur leurs origines se trouvent en Angleterre et puis l'Afrique. Mais c'est une mosaïque, c'est une mosaïque de culture qui s'installe aux États-Unis. Mais en tenant compte, malgré qu'il y, y a les 52 États, il y a ce qu'on appelle l'Union des États-Unis, mais chaque État a sa reconnaissance. Chaque État a son drapeau. Chaque État a son drapeau, chaque État a ses lois, chaque État a ses principes. Dans certains États, on dit on fait l'avortement. Dans d'autres États, on dit non, on refuse l'avortement. Mais c'est tout cela, l'ambiance des États-Unis. Donc c'est cette ambiance-là que nos leaders ont voulu créer par le panafricanisme. Mais n'ont pas dit que dès qu'on crée le panafricanisme, au Hugo n'existe plus. Le Bénin ou bien le Daoumé n'existe plus. Ou bien les Bunis n'existent plus. Ou bien le Ghana n'existe plus. Le Burkina n'existe plus. Non, ce n'est pas ça. Le panafricanisme, c'est le respect, c'est l'union qu'on se crée à partir de nos frontières. À partir de nos frontières. Donc, Emiseba, il faut te détromper. Apparemment, tu ne maîtrises pas trop ton sujet. Oui, tu as cette éloquence, mais tu, pas, tu ne maîtrises pas ton sujet. Et à ce sujet-là, il est important qu'on retourne à la formation, nous tous. Sinon, on va faire de la propagande. Hein. Or, oh, en ce moment, c'est l'heure de l'agitation dont parlait Lénine. C'est l'heure de l'agitation et non de la propagande. Parce que ce que tu as en train de faire de la propagande, tu viens dénier les réalités de la Côte d'Ivoire, tu viens dénier les réalités de la politique panafricaniste, mais qui es-tu au juste Qui es-tu au juste dans ta politique Et pour te rejoindre, comme je le disais, pour, pour que tu puisses nous rejoindre, nous autres, dans l'étape dans dont tu parlais as Diop du fédéralisme africain, même encore dans le, dans, dans le fédéralisme des États, c'est encore la même stratégie panafricaniste qui est que... Chaque État va venir et puis on va se donner une loi commune. Rappelez-vous ici aux États-Unis, mon, mon candidat Trump avait décidé de régner certaines, euh, certaines nationalités aux États-Unis. Mais il y a un État. Le juge d'un État qui a dit non, ça ne marche pas ici. C'est comme ça on appelle un État. C'est ça comme ça fonctionne un État, Siba. Donc aujourd'hui, ce qu'il nous faut, ce qu'il nous reste à faire. Pour combattre ce que tu as, le combat de la France-Afrique, ce n'est pas de créer le remplacement. Parce que tu as reproché ça à notre opposition. Qu'elles veulent prendre la place des Draman pour se nourrir, pour s'enrichir et aimer au détriment du peuple. Oui, j'ai compris ça. Et ça, moi, je le dis. J'ai dit le système présidentiel, ce système-là, ça sera le remplacement de la politique. Tant qu'on aura le système présidentiel, peu importe le président qui sera là, il va marcher dans les pas de la France. Sinon, il va subir comme Babo Laurent. Aucun président, aucun leader, même Mamadou Koulibaly aujourd'hui qui vient, qui est percutant, qui parle euh, du, du système parlementaire, mais je le lui ai dit, président, tant que vous n'abolissez pas le poste de président de la République, tant que vous n'abolissez pas le système présidentiel, pour qu'on aille au système fédéral, vous serez toujours, vous aurez la France comme obstacle. Je le lui ai dit. Et pour arriver au panafricanisme, il faudrait que les États. Les États se suffisent dans leur souveraineté. On ne peut pas aller au panafricanisme tant qu'on n'a pas créé des petits États fédéraux. Tant qu'on n'a pas créé des petits États fédéraux dans nos États. Il serait difficile pour nous d'employer ce système fédéral au niveau africain. Donc il faut déjà que chaque État soit souverain. Il faut que le, le, le Bénin, le Daoumé revendiquent leur souveraineté. Et pour revendiquer la souveraineté, ils doivent abolir le système fédéral. Et, et, autant qu'ils doivent abolir le système, le système comment on appelle ça D'état, d'état, eh, eh, d'état central. Ils doivent abolir le système d'état central. Le système dans lequel on est aujourd'hui, c'est le même système au Togo, c'est le même système au Bénin, c'est le même système en Côte d'Ivoire, c'est le même système présidentiel au Mali, en Guinée et au Burkina. Mais comment la France ne peut pas nous maintenir dans le système France-Afrique Mais on n'est que dans la maison que eux-mêmes ils ont construit et que, dont ils connaissent les limites de cette maison. Donc comment veux-tu loger dans la maison de quelqu'un, cette maison qu'il connaît au mieux et puis toi tu vas vouloir dribbler le gars. Non, sortons de ce système néocolonial, sortons de ce système France-Africain en changeant de système politique, en changeant de système politique. Si on a réussi, si on réussit à entamer l'étape de de l'état fédéral avec abolition de du poste de président de la république en instituant un gouvernement euh, d'une un gouvernement collégial qui rassemble dans son sein les différents partis politiques représentatifs dans la nation. Du coup, on n'a pas de président, un président qui va être à la tête de tout, un président qui va écraser tout. Dès qu'on n'a plus ça et qu'on a un gouvernement dans lequel surtout le RDR, le PDCI, leader, le FPI. Et qu'ensemble, ils gouvernent, et que chacun rencontre dans le gouvernement d'abord, avant de rencontrer au Parlement, avant de rendre compte au peuple, du coup, on aura gagné sur le système france-africain. Sinon, tu vas enlever Alassane Draman Ouattara, tu vas venir mettre n'importe qui en Côte d'Ivoire à la tête de ce système, on va retourner toujours dans la difficulté. Même Babo Laura aujourd'hui, qui a osé réclamer la souveraineté, qui vient de faire 10 années en prison, même si on le met à la tête, je ne suis pas sûr que Babo va vouloir retomber dans le même schéma d'hier. Parce qu'il a vu la douleur qu'il y a dedans. Il a vu ses proches qui sont morts là-dedans. Il a vu le nombre d'Ivoiriens qui sont morts à l'étranger, en exil. Il a vu. Je ne suis pas sûr que le président Babo Laurent, devenu président encore, va vouloir combattre le système français-africain. Ce n'est pas, pas évident. Ce n'est pas évident. Et c'est en cela que moi, nous, nous voulons que tu puisses nous rejoindre dans le schéma de la fédéralisation de, de l'Afrique, dans le schéma de l'État fédéral de l'Afrique, dans le schéma de réussir cette politique fédérale dans, chez les Daoméens. Nous, nous sommes en train de nous battre ici en Côte d'Ivoire. On veut réussir ça. Si on réussit ça, on se, on se serait retiré une épine. Ce n'est pas le problème, ce n'est pas les, les trois grands, Alassane, Babo, Bédier, ce n'est pas eux le problème. Même si on les met à l'écart et qu'on choisit encore d'autres personnes. On va venir connaître la même situation parce qu'ils ils vont venir mener des combats de, de, de procuration. C'est pourquoi je ne suis pas trop, trop tranchant envers Alassane Ouattara. Parce que lui, il joue bien le rôle de la France-Afrique. Il joue bien le rôle de la France-Afrique. Sinon, Oufou en avait joué aussi. Au mieux, dans la France-Afrique. Oufou Boyni, on sait ce qui s'est passé dans la sous-région. On sait ce qui s'est passé dans la sous-région. Donc, tout ça, on est en train de payer. On est en train de payer. D'ici si à des états de la sous-région qui nous en veulent, c'est pour la politique d'Oufo Bagné. Mais tout ça, nous pensons que c'est maladroit de leur part. Parce que vous ne pouvez pas venir. Tu as dit quelque chose que qu'Oufo Bagné a appelé les Burkinabés, les étrangers, de venir, de venir travailler en Côte d'Ivoire. C'est faux. Oufo a, a fait un appel d'ouverture politique. Mais Oufo n'a pas fait le convoi pour les demander de venir. Ceux qui sont venus, c'est parce qu'ils ont vu l'intérêt qu'il y avait en Côte d'Ivoire. Kémy, quand ton papa a quitté. Le Daoumé, pour venir en Ebuni, il a vu ses intérêts personnels. Il a vu ses intérêts personnels. Peut-être qu'Aoufou Banyi a fait le discours, c'est un discours d'ouverture, mais il n'a pas dit qu'on n'a a personne en Côte d'Ivoire pour nous développer. Le cacao, il va rien. C'est pas, c'est pas le Malien, c'est pas le Guinéen qui nous a aidé à développer. Moi, mes grands parents sont producteurs de cacao. Mon arrière grand parent est producteur de cacao. Mon père fut producteur de cacao. Moi-même, je suis aujourd'hui cultivateur de cacao. Est-ce que c'est le Burkinabé qui m'aide à, à, à lancer ma chaîne dans ma forêt C'est le Burkinabé qui m'a formé C'est le qui m'a formé C'est le qui m'a formé Ou bien c'est le Français qui m'a formé Non, ce n'est pas ceux-là qui m'ont formé. On a ça dans notre culture. On a ça dans notre héritage. On a le cacao bien avant l'arrivée des colons. On a cette culture en nous. Donc, c'est n'est pas intéressant que les gens soient venus être des réfugiés économiques. Parce qu'il y a des réfugiés politiques et il y a aussi des réfugiés économiques. Est-ce que les juifs vont réclamer le pouvoir politique en France. Les juifs vont réclamer le pouvoir politique en Angleterre. Les juifs vont réclamer le pouvoir politique en Europe parce qu'ils auraient, ils, ils auraient été reçus par les Européens et puis après, ils auraient aidé l'économie européenne à se développer. Mais ce qui est en amont, c'est que les Européens t'ont reçu d'abord. Les Européens t'ont reçu d'abord. Les Ivoiriens ont reçu leurs frères venus d'à côté. Et c'est ça qui est fondamental. Maintenant, si là-dedans, vous êtes enrichi ou bien vous avez aidé le développement de ce pays, on vous remercie, on vous salue. Mais reconnaissez que vous n'êtes pas resté dans le ciel comme Jésus-Christ. Pourquoi pouvoir, Pourquoi pouvoir nous aider Vous êtes resté sur le, sur le sol ivoirien, vous avez profité avec nous. Moi, j'ai fréquenté avec Salam. Je me rappelle encore à Daloa, quand, quand je louais un appartement, le monsieur qui était à côté, un monsieur burkinabé dont j'oublie le nom, je cherche encore son contact. Je cherche le contact de ce monsieur. Combien de fois le monsieur nous a aidé quand je dois à l'école, je n'ai même pas le temps. Nous tous nous sommes élèves. Personne n'a le temps pour cuisiner. Ou bien non, non, non quoi fait ça? notre, euh, notre porte est terminée. Mais c'est ce monsieur-là, un boukinabé, il travaille dans un hôtel. C'est lui qui venait avec les pâtes de poulet, avec les ailes de poulet, parce que dans les hôtels, on n'en on consomme pas. Et puis il vient, il enlève, sa femme cuisine, elle nous sert, et puis je mange. Et puis je m'en vais à l'école. À Dalois, chez moi. C'est un Boukinabé qui me donnait à manger. Et c'est vous, mais vous pensez qu'aujourd'hui, j'ai un j'aime je vais l'éliminer Pensez-vous que j'avais aujourd'hui un Burkinabé Je vais l'éliminer Non, soyons sérieux, seba. Soyons sérieux, seba. Ce sont les histoires. C'est de la propagande politique qu'a utilisée Sandra Mawatara avec la France pour pouvoir nous mettre, dans cette, pour nous mettre à genoux. Aujourd'hui, toi aussi, tu veux nous exploiter ça Les Ivoiriens ne sont pas xenophobes. Si on était xenophobes, on allait se battre entre Baoulé et Bété. Si on était xenophobes, on allait se battre entre Guéré et Gagou. Si on était xenophobes, on allait se battre entre Gouro et Bété. La preuve en est à Daloa. À Daloa. À Dalois, il n'y a pas que seulement les BT. Il y a des gourous. Il y a des gourous par le découpage, le même découpage interne de la Côte d'Ivoire. Ça a permis à Bédiala d'être à, à, à Dalois dans le département des Dalois. Ça a permis à Gonaté d'être dans le département des Dalois. Or, oh, ce sont des gourous. Mais quand Bédiala vient à l'eau funéraille, ils vont à Boiflet. Ils vont à Zionoula pour le au parce parce qu'ils ont des frères là-bas. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les gourous et les BT sont en train est-ce que le gourou, le bêtise André Deschi, la preuve en est, Touré Mamadou, qui se dit qu'il est de Gonaté, ce n'est pas lui qui est député à Daloa Mais on vit, en, on vit en ambiance. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je le disais la dernière fois, en 2015, face à Touré Mamadou, moi je soutenais Amaral Fofana. Amaral Fofana, il est de Mancono, mais il est né à Daloa. Son père est investi à Daloa. Son père, Maître Fofana, il est investi à Daloa. Tous ses frères ont étudié à Daloa. Soro, aujourd'hui, Solo, Suleiman Fofana, il est docteur, il est pharmacien à, à chose, dans son village à Mankono. Mais pourquoi j'ai soutenu, pourquoi soutenu eh, Amara Fofana, celui qui est aujourd'hui le PDG de Cunette Mais parce qu'on a grandi ensemble à Dallois. Je préfère soutenir quelqu'un que je connais, bien qu'il ne soit pas bêté. Mais vous parlez de quoi, Kemi Séba Soyons honnêtes, arrêtez la propagande. Donc revenons, revenons au système qui existait déjà en Afrique, sur le système fédéral. L'Afrique vivait d'un système fédéral. On était déjà d'un système fédéral. Donc venons dans le système fédéral pour abolir la France-Afrique. Si nous voulons atteindre la France-Afrique, si nous voulons frapper là où ça fait mal à la France-Afrique, c'est de quitter le système, le système politique français. Quittons ce système politique français. Changeons nos règles de politique française. Aujourd'hui, regardez au Rwanda. Kagame, qu'est-ce qu'il a fait il a changé, même, le, même la langue française n'est plus parlée comme ça à l'école. C'est l'anglais. C'est l'anglais. Kagame aujourd'hui est plus proche des démocrates américains. C'est pourquoi aujourd'hui Kagame est le vrai chef d'État au Congo. Au Congo, il y a 10 000 morts aujourd'hui. Plus de 10 000 morts au, au Kémy Seba. Est-ce que tu en parles au Congo Près de 10 000 morts à, à cause de qui À cause du Rwanda. Parce que le Rwanda exploite aujourd'hui ce qu'on appelle euh, euh, comment on ça le matériau appelé kobat. Mais le Rwanda récupère ça dans l'intérêt de, de, des démocrates, dans l'intérêt de Bill Gates. Et aujourd'hui, la France se met d'accord avec ça. Et le Rwanda est en train de, 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 de... Le Congo est en train de tomber. Mais demain, vous allez voir une guerre. Une guerre. Il va y avoir une guerre comme ça au Congo. Hein? Parce que ce que les Rwandais font, ce que Kagame fait en ce moment contre le peuple congolais, mais ça va chauffer un jour. Si les choses ne changent pas, voici des réalités. Demain on dira que non, les Africains se battent entre eux. Mais toujours est-il que il y a toujours un Africain que les Occidentaux ou bien les Américains exploitent au détriment de toute l'Afrique. Que Miseba ne soit pas ce schéma. Ne soit pas ce schéma. Alors, voilà, en, en si peu de temps, bien que je sois effondré par le décès d'un camarade, Gadi, pour qui pas Gadi Selly, hein, Gadi ce n'est pas mon camarade. Je touche du bois, je parle d'un camarade Gadji, avec qui on a fait l'université, qui est tombé. Aujourd'hui, on vient de m'appeler pour midi. Et bien, je me devais de donner, quand même, mon, mon point de vue en tant qu'intellectuel, en tant que lutteur ivoirien à notre camarade Kémy Seba, que nous saluons pour son passage en Côte d'Ivoire, qui allait galvaniser sa troupe. Mais je ne voudrais pas que ça soit une troupe de personnes qui se braquent contre l'action que nous menons, parce que nous, nous disons la souveraineté d'abord. La souveraineté ivoirienne d'abord. Qu'on veut ou non, le découpage de l'Afrique est déjà fait. Ce n'est pas à nous de remettre en cause. Sinon, on va vouloir à Israël, à Jacob, d'avoir découpé l'Israël en 12. Il aurait dû faire en 36 pour que nous puissions avoir notre part. C'est ce qui est fait, c'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu a voulu que les, les Européens viennent nous gouverner. Ils nous ont colonisés, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, ils nous ont pillés. C'est à nous de prendre conscience. Prenons conscience de notre inconscience, comme le disait Che Guevara de la Serna. Prenons conscience de notre inconscience. Arrêtons de surfer si les fibres que la France-Afrique utilise pour dire que les Ivoiriens sont vénéfobes, les Ivoiriens ne veulent pas des étrangers. Arrêtez. Nous sommes en parfaite harmonie avec les étrangers. Les étrangers ont épousé nos mamans. Les étrangers ont épousé nos sœurs. Ceux qu'on appelle étrangers, ce sont ceux qui n'ont pas notre, notre ethnie. Moi, pour moi, le Baoulé est un étranger. Le Burkinabé est un étranger. L'Agné est un étranger à Daloa. Le, le Koulongo est un étranger à Daloa. Autant le Gagné est un étranger aussi chez moi en Côte d'Ivoire. Acceptons ça parce que on n'a pas la même culture, on n'a pas les mêmes origines, on n'a pas la même identité, on n'a pas la même langue. Vous êtes des étrangers, je suis un étranger au Burkina, je suis un étranger en Sierra Leone, on m'a même dit il a en Sierra Leone, je suis un étranger malgré que j'ai répété en Sierra Leone. Je suis un étranger en Éthiopie, je suis un étranger au Nigeria, je suis un étranger. Même si par moments, quand on m'arrête dans la rue, on me dit j'ai ressemblé un Camerounais, tantôt on me dit j'ai ressemblé un, un, un Nigérian, mais je suis un étranger quand même dans ce pays. Donc, Emiseba, il ne faudrait pas qu'on rende péjoratif le terme étranger. Non, ce n'est pas péjoratif. C'est originel. Et acceptons ça et avançons. Je ne vais pas m'en vouloir parce que je suis noir. Veux-tu que j'aille me dépigmenter pour devenir blanc Je ne vais pas le faire. Je suis fier, je suis digne d'être bêté. Je suis digne d'être noir. Et je ne vais jamais regretter cela. Je ne vais pas en vouloir à Dieu ou bien à mon Créateur. Non, ça jamais. Alors, acceptez cela acceptez qu'on avance ainsi accepter qu'on aille au-delà de tout, accepter que les choses soient ainsi, mais qu'on s'organise à aller à un fédéralisme, à, à un fédéralisme des États africains. Mais laissez-nous d'abord débuter le fédéralisme en Côte d'Ivoire pour empêcher aujourd'hui euh, la France-Afrique d'avoir le défi sur nous. Alors, voilà mon message à notre camarade Kémy et, et ce soir. Et je voudrais encore dire à la jeunesse ivoirienne de rester vigilante. Restons très, 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 très vigilants. Il y a des propos aujourd'hui qui vont se faire de partout, mais restons vigilants. Nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes sur le bon chemin. Nous voulons que notre pays ait des règles. Nous voulons que notre pays soit débordant de, de règles. Nous voulons que nous soyons éduqués dans ce sens. Et nous autres, nous nous battons. Pour le fédéralisme nous nous battons pour que nous passions à l'état fédéral pour permettre à Yamsoukro de se développer avec ses, ses sources avec son économie pour permettre à Boaké de se développer avec ses origines avec ses sources. J'ai entendu que Seba dit que à cause de la politique eh, 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 ivoiritaire, il, eh, il y a des peuples de la Côte d'Ivoire profonde, il veut parler de nos frères du Nord, qui sont laissés pour compte. Kémy Séba viens chez moi à Daloa tu vas voir à Daloa, la plus longue ceinture de plus de 10 km qui n'est pas goudronnée, qui souffre, on souffre de poussière. Viens chez moi à Dalwa, tu vas voir. Nous sommes tous victimes de la politique centrafricaine que pilotent nos notre, notre dirigeants, de Oufo Boigny à aujourd'hui à la santeramou en passant par tous les autres. Ce n'est pas, pas la faute de l'uvarité si Korogo n'est pas développé, si Daloa n'est pas développé, si, si Abangourou n'est pas développé, Bandoukou n'est pas développé, Aboisson n'est pas développé, Boaké n'est pas développé. Où tu prends tes, toutes ces informations pour dire que le Nord a été laissé pour compte, Kemi Séba Où tu prends tes informations Envoyez-moi cette vidéo à Kemi Seba, s'il vous plaît. Kemi Seba, chez moi à Daloa, on est minimisé. Chez moi à Daloa, il n'y a pas de développement, mais on n'est pas frustré. Chez moi à Daloa, il n'y a même pas de route, on n'est pas frustré. Chez moi à Daloa, il n'y a pas de bus. Chez moi à Daloa, il n'y a pas de tramway, mais on n'est pas frustré. Daloa mérite d'avoir des bus, Daloa mérite d'avoir des tramways parce qu'on était boucle du cacao une année. Mais on n'est pas frustré, Kemi Je ne vais pas me rappeler tout ce que tu as dit, mais plus je me rappellerai pour ne pas rendre la vidéo longue, je vais revenir là-dessus. Mais sache que nous sommes ensemble. Nous menons le combat qui est de quitter la politique centrafricaine et la France africaine pour réellement proposer quelque chose. Moi, je veux le changement, je ne veux pas le remplacement. Si c'est pour choisir des élites pour diriger autrement, je pense qu'on n'aura pas toute la solution. La vraie solution, c'est de quitter le système présidentiel. C'est de refuser le système présidentiel. Comme ça, comme ça a réussi aujourd'hui en Allemagne, comme ça a réussi aujourd'hui en Suisse. Il y a des pays où il n'y a pas de président de la République. Mais il gère avec un gouvernement. Et ce gouvernement est composé des différentes aspirations politiques. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est de ça que la Côte d'Ivoire a besoin. C'est de ça que l'Afrique a besoin. Je vous remercie. Sur ce, on se revoit plus tard.